Joseph Ferdinand Cheval débute comme apprenti boulanger, mais son esprit rêveur devient progressivement incompatible avec son métier. Côté familial, la vie ne l'épargne pas. Un premier fils meurt à 1 an, sa fille à 15, sa femme mourant quand il a 37 ans. À 35 ans, il est affecté comme facteur à Haute-Rive, ayant en charge une tournée quotidienne à pied longue de 33 km. À cette époque, Ferdinand Cheval découvre les premières cartes postales internationales illustrées, qui le font rêver à des palais féeriques. Un jour, découvrant une pierre d'achoppement singulière, il décide d'en ramasser d'autres, soit dans un sac, ou en les rassemblant et revenant le soir avec une brouette. Sa décision est déjà prise de construire seul un temple dédié à la nature. Utilisant pierres, galets, coquillages, mais aussi tiges de fer tordues, sacs de chaux, il construit une œuvre hors du temps et des normes architecturales. Travaillant de jour comme de nuit à la lueur d'une lampe à pétrole, il façonne grottes, alcôves, végétations, personnages et animaux. Thank you.
Ferdinand Cheval achève son palais idéal après 33 années d'obstination et de labeur. Il a 76 ans. Mais il y a un gros problème. Tel un pharaon, il a prévu de se faire inhumer dans le caveau qu'il a construit sous la partie du temple égyptien. La loi française l'interdisant, il passera 8 années supplémentaires à charrier des pierres jusqu'au cimetière du village pour construire son tombeau. Méprisé et épuisé, il meurt 2 ans plus tard en 1924 dans l'indifférence générale.